Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment intégrer du son et de la vidéo ou de l'image à votre playlist. Alors partons de la playlist que nous avions faite précédemment, c'est-à-dire que nous avons fait une playlist de 4 morceaux qui correspondent aux 4 moments de la journée, le matin, le midi, le soir et la nuit. Alors à cela, je vais intégrer pour chaque moment de la journée une image et une musique. Assurez-vous d'avoir bien connecté tout d'abord la prise HDMI et la prise son à votre ordinateur. Sur le panneau de contrôle, donc augmenter le volume général. Ici, il s'agit de player. Voilà. Et vous allez ensuite appuyer, allumer sur allumer le vidéoprojecteur. Une fois que votre vidéoprojecteur est allumé, remarquez qu'il fait une copie de l'image de l'écran. Vous allez dans Paramètres, ici, Affichage, Système, Affichage, et faites étendre ces affichages. Conserver et vous avez donc un affichage, un deuxième écran projeté par donc le vidéoprojecteur. Alors, une fois que vous avez ça, il faut maintenant importer vos fichiers son et vidéo. Alors, vous allez dans c'est dans FX List. Vous avez la liste des effets hein, qui sont répertoriés. Vous allez ajouter vos fichiers. Donc, on va mettre Add Effect, Media Playback. Et alors vous allez l'intituler le matin. Matin. Et il faut maintenant uploader l'image. Donc vous cliquez sur le dossier qui se trouve à droite. Vous allez dans votre fichier, ici fichier matin, ouvrir, voilà, et vous pouvez faire play pour s'apercevoir effectivement que vous avez une belle image de lever de soleil. Donc c'est enregistré dans votre donc médiathèque. On va ajouter tous les fichiers images. On va appeler MIDI. OK. Un effect. J'ai oublié d'ajouter MIDI. Un autre effet soir okay.
Et nuit. Nuit. Alors j'ai toutes mes images. Je peux à présent fermer. Et ensuite, donc associer ces images aux pistes de commande lumière. Alors vous allez dans Cue List. Et vous avez ici donc un détail de votre playlist matin, midi, soir, nuit. Alors pour ajouter les fichiers images, vous allez dans donc Effect, sélectionner et ajouter donc l'effet qui s'appelle matin. Donc il apparaît ici. Vous pouvez également sélectionner le moment où il va apparaître. On va la faire apparaître en fade in, 5 secondes et 5 secondes de fade out. Alors, je vais faire la même chose pour les autres moments de la journée. Le soir, donc 5 secondes d'apparition et 5 secondes pour la sortie. La nuit. Voilà. Alors, je reviens au panneau central. Quand vous avez fait Cue List, vous allez dans Live Display et vous pouvez ensuite vérifier en faisant donc Reset, partez depuis le départ et Go. Alors, vous voyez bien ici la photo, l'image du lever du matin. Alors, il est possible de l'agrandir.
Donc, oui, il faudra choisir donc après une photo d'une bonne résolution pour qu'elle donc occupe tout l'espace. On va essayer avec les autres images. Midi. Et soir. Bon, ici, la photo est s'ajuste davantage à l'écran. Donc ça fonctionne. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est ajouter de la musique à ces images. Alors, c'est le même procédé. Il faut aller sur liste et sélectionner donc matin. On va mettre une musique. Alors dans les médias, ah j'ai oublié, il faut d'abord les ajouter, ces médias. On va les ajouter dans FX list, add effect, médias, musique. Matin. Et on va sélectionner dans les fichiers du Vivaldi. On va faire un petit essai pour savoir si le son fonctionne. En vérifiant si le son fonctionne. Donc le son fonctionne. On va importer les autres pistes audio. Midi. On va mettre tartini, plutôt Vivaldi. Musique. Soir. Ça sera Albinoni. Musique. Nuit. Tartini. Voilà, tous nos médias ont été ajoutés. Maintenant, il faut les faire correspondre aux pistes images et lumière. Alors, on est dans Cue List. Sélectionner le matin, aller dans Effects, voilà, et vous avez déjà l'image matin.
On va mettre, rajouter la musique matin. Même chose avec 5 secondes. Voilà, on va faire pour le reste. Musique midi. Donc c'est le fade in, fade out. La musique du soir. Et la musique nuit. Voilà. Alors tout est synchronisé, à la fois les lumières, les images et le son. Donc on peut remettre depuis le début et voir ce que ça donne. Reset. Run. Go. J'ai passé ensuite à midi. Soir. Et enfin, nuit. Vous pouvez retourner au son arrière en appuyant sur Back. Et pour arrêter le tout, simplement de revenir à reset. C'est un peu brutal, mais vous pouvez le faire donc à la fin du spectacle. Voilà.